Bonjour à tous, c'est Daphné. Me voici aujourd'hui pour Les Sims 4 Valkyrie. Et là, vous vous dites, c'est quoi cet écran? Eh ben, il se pourrait que j'ai pris le DLC des Sims 4 saison grâce au Tipeee. Et il se pourrait que du coup, on va le découvrir ensemble. Voilà, non, plus sérieusement, enfin même si ce que j'ai dit c'était sérieux et c'était vrai. Mais voilà, là j'ai lancé du coup la partie et forcément avec le nouveau DLC, ben, on me propose de choisir une saison. Alors pour l'autre partie Sims que j'ai en cours mais qui arrive à sa fin, j'ai choisi l'hiver. Voilà, donc si vous voulez avoir une petite avant-première de l'hiver et pas patienter ce qu'on va découvrir via cette série ici, et ben vous pouvez aller sur mon autre série des Sims 4 chiens et chats et la playlist. Enfin, c'est dans la playlist des Sims 4, donc vous ne pouvez pas la rater. Mais nous, on va faire ça bien sur les Sims 4 Valkyrie. Et on va commencer par le printemps. Voilà. Donc c'est dit, le printemps est une période fantastique pour planter des choses dans votre jardin et profiter des averses printanières. Mais attention aux flaques de boue. C'est plutôt perspicace d'affaire. Alors, on va donc chez nos Valkyries. Bah donc chez moi, quoi, hein, voilà. Je suis une Valkyrie, je vais donc chez moi. Et puis voilà. Alors la dernière fois, si je me rappelle bien, j'avais dit qu'il fallait que j'avance les projets scolaires des filles. Il me semble. Et il me semble que j'avais dit un autre truc. Mais vu que j'ai une mémoire poisson, j'oublie. Non, c'est pas que j'ai une mémoire poisson, c'est juste que ça fait un petit moment là que j'ai pas joué. Donc me rappeler de tout, faire les connexions entre toutes les séries, les machins, les trucs, c'est pas toujours évident. Autant le dire. Bon, quand tu veux le jeu par contre, hein, on te force surtout pas. En tout cas, voilà, donc on va découvrir les Sims 4 saisons via la série des Sims. Valkyrie, du coup. Alors j'accélère parce que là c'est l'heure du dodo. Mais vous voyez, voilà, j'ai déjà découvert, mais je refais un petit point pour ceux qui suivent pas l'autre série des Sims. Vous avez un calendrier qui a fait son apparition juste ici. Qui vit donc au rythme des saisons. Voilà, donc là, nous, du coup, il nous reste plus que 4 jours de saison, parce qu'une saison, c'est une semaine, en gros. Une saison, c'est une semaine, donc on arrive bientôt à la journée de l'amour. Et puis, là, vous avez l'été. Alors, l'été, ils n'ont pas prévu de trucs en particulier, visiblement. Là, c'est l'automne, avec la fête des récoltes, et l'hiver, bien sûr, avec la fête de l'hiver, ce qui équivaut à Noël, hein, autant le dire, et le réveillon du jour de l'an. Voilà, voilà. Mais je trouve ça très très bien pensé, ce calendrier, parce que, voilà, vous voyez même les horaires de travail de chacun et chacune, enfin du coup chacune, parce qu'on est des filles, mais on voit les jours fériés, on peut même créer nos propres jours fériés, enfin, on voit les anniversaires aussi, regardez, là c'est écrit que c'est l'anniversaire de You, là c'est écrit que c'est l'anniversaire de Ness, là c'est Akko et Daphné, tiens, ce sera le même jour du coup, c'est marrant ça. Enfin, voilà, quoi, c'est... Là vous avez aussi tout ce qui est lié à la météo. Vous savez le jour, vous savez la météo, vous savez la fraîcheur, etc. Vous savez également les prévisions. Enfin, voilà, je trouve ça... Autant il y a des choses que j'aime un petit peu moins pour ce que j'en ai vu du DLC. Voilà, et on va y revenir parce que nos Sims vont bientôt se lever. Et donc, on va pouvoir le faire parce que grâce à ce DLC... Évidemment, c'est notre Akko qui est réveillée à 5h du matin. Akko, elle est au taquet, quoi. Alors, à quoi on va la laisser prendre son petit déj? On va pas trop la forcer, parce que l'objectif, là, c'est la mettre devant le miroir. Hein. Donc, de bon matin, quand même. En général, on a quand même la tête. Hein. Là, vous savez. Donc, se regarder dans le miroir de bon matin, on va éviter. On va la laisser prendre son petit déj. Et après, on ira prévoir une tenue. Voilà, comme ça, on fera la tenue des 4 filles. Et ce sera très très bien comme ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais vendu plein de trucs. Parce que j'avais pas de sous. J'avais oublié. Saleté de facture de mort. Ça vous a bien fait rire par contre. Hein. Ça vous a bien fait rire les factures. Moi j'ai un petit peu moins rigolé, mais vous ça vous a bien fait rire. Alors donc, les tenues. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vous avez une tenue temps chaud. Et vous avez une tenue... Alors ça, quoi, elle va détester, c'est mort. Faut que je change ça direct. Mais voilà, une tenue temps chaud et une tenue temps froid.
Comme je vous disais brièvement, en gros, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est quelque chose que je n'aime pas également. Je l'aime bien sous le format comme il était dans les Sims 3. Donc pour ceux qui ont joué aux Sims 3, vous connaissez le principe. Alors il n'y avait pas la tenue temps chaud, il y avait que la tenue temps froid. Et en gros, dès qu'on sortait, on mettait notre tenue temps froid, et voilà. En période d'automne et d'hiver, du coup. Mais ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on est en tenue temps froid tout le temps. À quoi faut que tu mettes un pantalon. On est en tenue temps froid tout le temps. Et franchement, je trouve ça ridicule. C'est pas du tout cohérent. Alors j'espère que je ne serai pas la seule à avoir remarqué ce truc bizarre, on va dire, et qu'ils feront quelque chose parce que franchement, non, c'est pas. Non, pour moi, c'est pas cohérent du tout. Quoi. C'est pas cohérent du tout. Qu'est-ce que je vais lui mettre là? C'est où le jean? On va lui mettre lui au pire, mais je l'aime moins celui-là. On va lui mettre ça. Les chaussures, on va mettre des petites baskets. Les baskets, voilà. Donc on a notre tenue d'hiver pour Akko. Et vous verrez que du coup, elle sera habillée comme ça, aussi bien à l'intérieur dans l'idée qu'à l'extérieur. Voilà, elle va pas faire de transition. Alors ce que je trouve assez ridicule, parce que comme vous pouvez... Donc là, Akko, j'ai mis une tenue classique, entre guillemets, une tenue qui va à l'intérieur et potentiellement à l'extérieur. Mais par exemple, quand on met ça et qu'on garde ça à l'intérieur, on est ridicule. Puis alors, je vous parle même pas du pull de Noël. On évite, hein. Mais voilà, vous avez compris le délire, quoi. On va également passer à l'été. Alors, à quoi j'avais mis quoi? Je lui avais mis ça. Alors, le petit haut me perturbe pas. Non, je vais pas lui mettre du rose, je vais me faire taper. On va lui mettre du... on va lui mettre du bleu. Bleu, c'est bien. On va lui mettre du bleu et... Et on peut pas mettre de pantalon. Ah, d'accord. On va lui mettre un pantacourt. Je sais qu'Ako elle préfère les pantalons, mais bon, c'est pas grave, on va lui mettre un pantacourt. C'est pareil, enlevez-moi ces bijoux là. Vous voulez qu'Ako elle me tape ou quoi? Enfin, non pas qu'Ako n'aime pas les bijoux, mais c'est juste que c'est pas représentatif de la réalité. Ako, c'est pas une dame qui porte plein plein de bijoux. C'est tout. On va lui laisser le collier parce qu'Ako elle a un collier. Hop. Ness, qu'est-ce qu'on va te mettre? Ness, on va lui mettre... Mais c'est quoi ces bijoux, là? Ils sont pris pour quoi? Alors, le bracelet, c'est moi qui lui avais mis. Mais ça, non. Je proscris cette chose. Non, puis c'est pas beau, en plus. Enlevez-moi ça. Ça lui va pas. Enfin, ça lui va pas. C'est pas son style. Ça lui va pas du tout. Enfin, non, c'est pas que ça lui va pas, mais c'est pas son style. Bref, oh, je m'embrouille. Voilà, ça, c'est Nessie. Ça me plaît mieux. Bon, pas la tenue, par contre. La tenue, ça va pas du tout. Donc ouais, on est dans une petite atelier shopping, là j'ai envie de le faire avec vous, je pourrais le faire sans vous, mais j'ai eu envie de le faire avec vous, voilà. Je sais absolument pas quoi mettre. Non, parce que là, faut faire ça bien, attendez, c'est les Valkyries, quoi, faut être représentatif des Valkyries. Et en même temps, alors c'est bien, on peut voir un petit peu les tenues qu'il y a de printemps. Oh, ça, ah, ça lui irait bien, Ness. Une petite cerise, je me demandais pas pourquoi, j'aime bien l'idée. Un petit short en jean, pour le coup, il est vraiment petit, le short en jean. Et il est encore plus petit, regardez. Non mais toujours plus quoi. Bientôt on va se balader en culotte, vous allez voir. Et on va lui mettre... Qu'est-ce qu'on va lui mettre en tenue? Je sais pas si Inès elle est du genre à porter des ballerines. Bon, au pire je lui laisse ça. Et si elle aime pas, on changera. Oh, c'est quoi ça? Voilà, vous voyez, c'est typiquement le genre de truc que je vous disais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait l'air crédible à sortir en tenue de ski? Ou plutôt à être en tenue de ski aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pas crédible. Où ça? On n'est pas crédible. On n'est pas crédible du tout. C'est... Non, c'est pas possible. C'est pas gérable. Je proteste. Violemment. Ouais, parce que regardez, là, je suis coincée dans l'idée. En gros, si je veux habiller mes Sims différemment, ben... C'est pareil, pourquoi ils lui ont mis des moufles? Alors, je sais bien que Ness, elle a mal aux mains et tout ça quand il fait froid, mais quand même. Attendez. Non! Ça lui a enlevé sa bague et son bracelet! Non! Remettez-lui! Le bracelet, remettez-lui. Et la bague, remettez-lui. La bague, c'était celle-là. Voilà. Non, je vais lui enlever ses moufles, là. Ses moufles moches. Je sais plus où c'est les moufles. Peut-être là. Ah, là, c'est les chaussettes. Pourtant, mais c'est censé les enlever. Bon, je sais pas. Enfin, je sais plus. Je sais, mais je sais plus. Les gants. Vas-y, mets-lui ça. Ah non, c'est même pas des gants. C'est peut-être lié au vêtement, en fait.
Attendez, si je change. Ah ouais, c'est lié aux vêtements. Bah, j'aimerais lui mettre un pull à Ness, mais pas un pull de Noël, quoi. Y a pas un pull normal, genre. Je vais lui mettre ça. Les petits lapins. Tu m'en veux pas, Ness, hein, les petits lapins. J'aime bien les petits lapins. Non, les petits lapins, c'est cool. On va lui mettre un jean aussi. Alors, je sais pas pourquoi je retrouve plus mes jeans. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ou alors, on lui met ça. En noir. Ouais, allez, on va mettre ça. On va lui laisser les bottes. Mais peut-être pas marron. Ouais, plus ça, voilà. Comme ça, là, c'est nickel. Ça, j'ai fait, du coup. On passe maintenant à You. Alors, pour les enfants, je sais pas trop ce qu'il y a, pour le coup. On va... Oh, putain. Non, You, t'as rien vu. Vous... Non, vous avez rien vu, vous lui direz rien. Non, mais c'est quoi, ça? On va pas la laisser comme ça. On va faire quelque chose, et vite. Bon, ça, ça passe déjà un peu mieux. Non, mais c'est une blague, ça. Donc, on y revienne dessus deux secondes, quoi. Bon, ça, encore. Et encore, c'est choquant. Non, mais c'est quoi, ça? Alors, je sais bien qu'en général, vous savez, quand on voit les vieilles photos de nous, enfants, on se dit, mais comment nos parents nous ont habillés? Mais quand même, quoi, là, le respect est mort. Hein, clairement. Clairement. Alors, si vous aimez, je ne juge pas votre avis, mais c'est juste que le mien, moi, j'aime pas. Oh, il y a des petits chats! Oh, ça, je le mettrai à Daphné. Ça me va bien, ça. Bah, ça, je vais mettre ça, You. Et voilà, regardez un autre exemple de tenue pas du tout crédible. Voilà. Qu'est-ce que tu veux être crédible? Et les enfants, il n'y a pas le choix. Les enfants, on est obligé de mettre un manteau. Donc, super. On a l'air très très con. Eh ben écoutez, on va la laisser comme ça. On va peut-être... Mais encore, non, j'aime... Ça me choque pas encore, sa tenue. C'est juste que, bon, être comme ça à l'intérieur, c'est un peu ridicule, quoi. Je sais pas si les animaux, ils ont une tenue, par contre, tiens, avant qu'on fasse Daphné. Vêtements pour animaux. Là, on peut lui mettre un... Ah, mais il l'aura tout le temps, donc non. On veut pas. Non, bah c'est pas grave, on va finir avec Daphné, du coup. Donc avec moi. Qu'est-ce qu'on va me mettre? Ah, et moi, j'avais dit que je devais mettre la petite robe des petits chats. Ça, mais peut-être pas en noir parce que ça fait un peu enterrement. Non mais... Ah, quoi que c'est pas choquant encore. J'allais dire, ça fait très bizarre, mais c'est pas encore trop choquant. Je préfère la bleue. Oh, il y a celle-ci aussi qui est mignonne. Et après, vous avez sans motif de chat aussi. Je sais pas ce que je préfère. Je crois que je préfère celle-là. Elle est très flashy, mais j'aime bien. Donc on va laisser celle-là. Non, par contre, tu m'enlèves le chapeau. Direct. C'est pas négociable. Tu m'enlèves ce chapeau, merci. Et on va te mettre... Ben... En gros, de toute façon, c'est soit on met une doudoune, soit on met une tenue toute faite. Ça, c'est très moche. Non, ben on va mettre une doudoune. Hein. À mettre une doudoune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en doudoune? Super, une doudoune rose. Génial. Non, on va mettre une doudoune, je sais pas moi. Comment c'est moche. On va mettre la doudoune blanche, je crois. Et on va mettre un pantalon. Un petit jean. Voilà. Les baskets, par contre, non, c'est pas... Des petites bottes, si tu veux. Voilà. On va te mettre ça. Allez, ça suffit. On va arrêter le carnage là, hein, parce que... Déjà là, je sais pas depuis combien de temps je filme, mais on s'est pris du coup une bonne séance dressing. Hein, autant le dire. On s'est pris une bonne séance de dressing, là. Hein. On est bien. On est OP. Et puis du coup, on va attaquer la journée. Enfin, on a déjà attaqué avec Akko qui est déjà réveillé. Mais j'avais envie, voilà, d'habitude, je le coupe. Voilà, un peu toutes ces étapes. Où je change les tenues, sauf pour les filles. Pour You et Daphné, du coup, j'avais pas changé. Ah, elle est levée, elle. Qu'est-ce que je fais debout? À cette heure-là. Et je mange du gâteau. Ah, c'est bien, tu vas prendre 15 kilos, ma fille. Alors, Akko, elle mange un truc bien, sain et tout. Et puis Daphné, elle mange de la merde. Akko, elle veut... n'importe quoi. Ness? Oui, ben, attends. Vas-y, prends les restes. Ah, Daphné prend de la place. Daphné, bouge ton putain de gros cul. Merci. Parce que là, Ness, elle veut aller au frigo et elle peut pas. Donc, pousse-toi. Voilà, merci. T'es mignonne. Hop. Oui, je parle à moi-même, à la troisième personne. Ah, bah... You, elle a dormi, là. Elle a fait chambre à part. Non, mais pourtant, je l'avais pas mis en chambre à part. On est d'accord, la dernière fois, je l'avais... Ah! Non! Nout! Pas bien! Fais des griffes sur le lit.
Ouais, pourtant hier je l'avais couché comme il fallait et tout. C'est fou ça. C'est fou ça. Bon. Allez, tu prendras des restes aussi. Ah, il fait causette de bon matin. Ako fait du ménage. Qui c'est qui bosse aujourd'hui? Regardons notre calendrier. Je crois que tout le monde bosse. Ouais. Tout le monde bosse aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. J'ai des projets à faire, comme j'avais dit. Alors, il faudra que You aille aux toilettes. Je pense pas qu'elle aura le temps de le faire. Mais bon, on verra. Ça, c'est à qui? Oh! Y a pas les noms dessus? Oh merde. Commencer à bâcler son travail. Merde. Je sais pas. Bon, on va dire que You, elle a lui. La boîte grise. Je crois que c'était ça. Je crois que You avait la boîte grise et Daphné avait la boîte. Je crois. Alors, pour le coup, je suis pas du tout convaincue. Hein. Mais il y a un truc de ce genre là. Bon, c'est la discussion des Valkyries de bon matin. Oh, visiblement, c'est une grosse discussion. On discute beaucoup de bon matin. Ah bah ça y est, You commence, Daphné commence. À quelle heure vous attaquez, vous, les nanas? 11h et 10h. Oh bah ça va. Ça va, ça va. Bon, moi, elles discutent un peu entre elles. Ça crée un peu de lien entre les Valkyries, parce que mine de rien, je crois que c'est le 11e épisode aujourd'hui. Et on n'a pas tant développé les relations entre les Valkyries que ça. Un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà, malheureusement, hein, parce que les Sims, ça va tellement vite, en fait. Une journée Sims, ça passe tellement vite. Il y a tellement de trucs à faire, le boulot, la vie, les animaux, les gens. Bah, c'est une vie, je suis fidèle à la vie réelle, hein, finalement, ça fait. Alors, Ness, tu vas nettoyer ton assiette. Tu vas aussi te taper la litière. Et oui, ça ne peut pas toujours être à coup. Donc, la litière, le pipi. Ah oh bah ça va, l'assiette, tu t'en sors bien, c'est You qui t'a gentiment tout fait. C'est mignon, ça. Ako, est-ce que t'as besoin de quelque chose pour ton boulot? Ah, il faut que tu programmes. Bon, on va te faire programmer. Allez, programmer. Vas-y, entraîne-toi. Entraîne-toi, pour l'instant, pardon. Il faut... Bah voilà, nickel, en plus, elle doit prendre un niveau. C'est parfait. Les filles sont en train de faire leur boîte. Alors normalement, ah c'est bien, elle va avancer mieux vu qu'elle est concentrée, je crois. Enfin, elle va avancer mieux, elle va mieux avancer. Je sais pas ce que j'ai inversé les mots là aujourd'hui, ça va pas du tout. Mais c'est bien, au moins elles avancent leur projet, donc ça on est bien. Ness, qu'est-ce qu'il te faut? Lire des livres. Ah, il faudrait que tu lises un livre. Bon, on va te faire lire un livre. Je croyais qu'on n'avait plus de bibliothèque. Mais si, si, on a encore de la bibliothèque. On n'est pas encore si fauché que ça. Tiens, lis le charisme pour les nuls. Ça veut pas dire que t'as pas de charisme ou que t'es nul, mais... Bon, voilà. On fait avec les moyens du bord, il y avait le livre par terre, c'est l'occasion de le lire et de le ranger en même temps. Voilà, voilà. Non, je cherche pas une excuse en carton. Je cherche un truc, c'est tout. Bon, en tout cas, il va vite falloir qu'on ait des sous. Attendez. J'ai pas... Si, j'ai réglé l'éclairage comme il faut. Hein. Éclairage automatique. Tous les éclairages. Je le re-règle au cas où, parce que j'ai un petit doute. Ah, Ghost a faim. Mais Ghost, il y a 4 gamelles. Tu vas pas me dire que... Hein? Voilà, celle-ci, elle est vide. Ok, t'es un peu benet. Ok. Mais les autres, elles sont pas vides. Donc si t'as faim, tu vas manger dans les autres, Ghost. Bah ouais. Quand même. Petit effort. Oh bah ça va, elle lit vite. Ça d'ailleurs, je l'avais vu dans les... paramètres, enfin les cadeaux, vous savez, comme ça là. Où elle peut débloquer ouais, un truc pour qu'elle lise plus vite. Je l'avais lu, c'était un trait de caractère, si je me rappelle bien. Voilà, lectrice rapide, il faut 1000 points. Bon, on a encore de quoi faire, hein, mais enfin, si on fait un petit peu attention. Voilà. Elle veut acheter une télé. Là, ça viendra, enfin ça reviendra. Danser sur la musique, non mais elle veut faire des trucs que maintenant on peut plus faire en fait. On avait ça avant, Ness. Mais bon. Non, on peut pas tout avoir, malheureusement. Alors, encore une fois, je me répète, je sais qu'on peut se donner des sous, je connais tous les codes, tout ça, tout ça. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes épisodes de Sims, je connais les Sims, malgré que des fois je peux faire des boulettes ou quoi. Je connais les Sims, hein. J'y ai joué depuis le tout premier. Hein. Donc, je sais ce que c'est. Je sais les codes, ça n'a pas changé.
Mais non, voilà, je veux pas le faire. Je veux qu'on ait. J'ai fait ça pour la maison, comme j'avais déjà expliqué. Voilà, la maison, je vous ai donné une belle maison, une bonne base. Je voulais pas qu'on se galère dans un petit truc tout pourrave là. Mais par contre, voilà, je veux pas retricher plus. Oh, mais je viens de penser, il est 9h. Mais ouais, vous êtes en retard pour l'école, les nanas! Mais putain! Vous voyez, je connais les Sims, je me fais des boulettes. Non, non, mais répondez pas au téléphone! Répondez pas au téléphone! Répondez pas au téléphone! Courez! Fuyez, cassez-vous! Plus vite! Cassez-vous! Oh, j'ai pas capté, moi. Elles étaient en train de faire leur travail, tranquille, moi ça me choquait pas. Non, non, non. Non, mais elles vont y aller. Bon, elles sont pas du tout pressées, hein. Faut pas les presser, nounou. Non, non, nous c'est. C'est pas trop vite le matin. Voilà. Faut... Non, non. Tranquille. Ah, ça y est. You trottine un petit peu. Il y a un petit potentiel. Oh, la tenue rose, quoi. Ça, à quoi elle le porterait jamais. Non, non, non. Jamais de la vie. Alors, Daphné part à l'école. Nickel. Droit d'auteur de Ness. Elle a gagné 29 sous. 28 sous, pardon. J'avais lu 8, je sais pas pourquoi. Alors, Ness commence dans 1 heure. T'en es où ton livre, Nessie? Ouais, y a moyen que t'aies fini. Par contre, Akko, tu dois commencer à travailler là. Ah, c'est bon, elle a fini la programmation et elle a pris son niveau. Mais c'est parfait, ça! Ça, c'est du bon boulot! Ah, Ness a fini le livre. Double perfection. Par contre, tu peux accessoirement le ranger. Hein, parce que de base, si je t'ai fait lire ça, c'est parce que je voulais que. Je voulais que tu fasses d'une pierre deux coups et que tu le ranges, en fait. Donc voilà. Oh, elle l'a pas fini. Enfin, elle a 75%. Mais non, mais c'est pas drôle. Bon, on va lire autre chose. Lire. Belle prise, vas-y, lis ça. Ce serait bien qu'elle soit à 100% avant de commencer. Bah, Ghost, pourquoi t'aboies sur Lolo? Logan, il a rien fait. Bon, ok, des fois il fait des bêtises, mais là, il a rien fait. Allez, on va la faire lire ça. On accélère un petit peu pour voir. Il reste un petit quart d'heure. Avant qu'elle attaque le boulot. S'il vous plaît, mettez les 100%. Les 100%. Ness, un livre, ça se lit plutôt ouvert. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça y est, elle a fini. Vas-y, arrête de lire. Au boulot, Ness. Ouais, non mais... Ness, c'est quoi ton délire de mettre les livres par terre? Non, parce qu'il faut qu'on en parle, là. Faut qu'on en parle. Un blogueur d'un site concurrent passe son temps à poster des messages accusant Ness Andy de lui voler son idée. À ce rythme-là, dans quelques jours, cela fera un vrai scandale sur Internet. Ness Andy, doit-elle se défendre dans ce message ou faire profil bas jusqu'à ce que l'affaire se tasse? Un blogueur d'un site concurrent passe son temps à poster des messages accusant Ness Andy. Vas-y, nous, on le snob. On t'ignore. La première règle de l'écriture sur des blogs est ne pas nourrir les trolls. Tout le monde se moque de l'incident désormais, et cela a même été positif pour le profil de Nessandil et le trafic sur son blog. Oui, j'ai bien fait. You veut inviter Antoine. Bah, bien sûr, allez-y. Il va terminer l'école, donc il faut qu'elle travaille un peu plus. Daphné est de retour de l'école et elle n'a pas de quoi être fière. Son travail est tout juste satisfaisant. Bah bravo, Daphné. Bravo, hein? Bravo! C'est du propre. C'est du propre. Bon. On va faire faire les devoirs à tout le monde. Hein, le petit Antoine. Enfin, je dis le petit Antoine, c'est. Ah, il est vénère! Pareil, combien qu'il va casser la maison de poupée? Alors, les filles sont en train de faire leurs devoirs, normalement. Enfin, Daphné arrive. On parie combien qu'il va casser la maison de poupée? Attention! Attention! Ah non, il va parler au nounours, c'est vrai. Le nounours, c'est une bonne thérapie. Ouais, non, mais ça va bien se passer, Antoine, t'inquiète. La vie, c'est dur et tout, mais vous allez vous en remettre. Il pauvre gosse, il est tellement vénère, quoi. Non, mais je veux descendre, je veux pas monter. Ah, il a pris un bouquin, je crois. Non, je sais pas ce qu'il fait. Ah non, il range l'autre bouquin! Mais c'est un gentil Antoine, ça, on va t'adopter. C'est un gentil Antoine, ça. On va l'adopter. Il y a moyen qu'on l'adopte. Divertissement, Daphné. Oui, bah ça va venir. Hein. D'abord, tu fais tes devoirs. Et après, tu pourras te divertir. Même si tu as ton projet à faire. Hein. Parce que ça, ce serait bien qu'on le rende, du coup, demain. Enfin, le prochain épisode pour nous, du coup. Comme ça, on serait plutôt bien. Voilà, ça augmenterait un petit peu nos notes à l'école qui, visiblement, ne sont pas folichonnes. You a terminé ses devoirs. Nickel. Qu'est-ce que tu as besoin?
Tu veux du divertissement. On peut jouer. Vas-y, on joue. On va la faire jouer au bar. Daphné, elle a fini aussi, je crois. Ah non, j'ai cru. C'est comme Ness, elle fait une fin, vous savez, elle lit des livres fermés. Rien tout à fait normal, hein. Alors, on va... Attendez, jouer. Est-ce qu'elles peuvent jouer ensemble? Je sais pas du tout. Ah bah, il y a Antoine qui vient, donc oui, je pense que oui. Allez, on va faire les ninjas tous ensemble. Tous ensemble, on fait les ninjas. Allez. Tout va bien. Comment on se la fait? Bah, joue avec nous. Invitez Antoine à jouer, voilà. Viens jouer avec nous. Non, Daphné, tu ne mettras pas le bazar. Non, mais... Voilà. Ah, on peut pas être plus de deux, en fait. Du coup, ça lui a fait arrêter. Ah, c'est con. Daphné, tu vas pas aller dormir? Non, mais ça va pas. Tu vas jouer. Vas-y, joue un peu. You, qu'est-ce qu'on pourrait te faire faire? On peut te faire progresser un petit peu ton projet, à la rigueur. Ouais, vas-y. Travaille soigneusement. En plus, t'es inspirée. Ça peut être pas mal. Elle a eu une journée d'école enrichissante. Daphné, tu sens qu'elle a eu... voilà. Non, mais... Mec, mais tu te prends pour qui? Putain, il va falloir... Putain, on peut pas nettoyer derrière lui. Un autre Sims est... Mais non, mais Ghost. C'est une catastrophe. Ghost, arrête. Mais Daphné, arrête de jouer. Faut que tu grondes Ghost. Mais Logan, mais... Voilà. Voilà. Les andouilles par excellence. Voilà, voilà. Voilà. Super. Nous sommes joie. Voilà, voilà. Vous êtes fiers, hein? Vous êtes contents? Le sale gosse. Logan a appris à ne pas jouer dans les ordures. Oh bah c'est bien mon chat. Tu es vraiment trop mignon. Hein. Bah oui, il fait du mia. Ah, on a fait un câlin par télépathie. Vous avez vu, on est en juxtaposé. Tout va bien. Vas-y, on va travailler. Accélérons un peu. Voilà, on a nettoyé au moins le bazar d'Antoine. Je sais pas où il est d'ailleurs celui-là. Ah ouais, quoi, elle a eu une promotion. Elle est devenue ingénieure hors pair. Pas dit tout. Oh, elle travaille. Ah si, elle travaille le samedi maintenant. Parce que j'allais dire, elle travaille un jour de moins, mais non. Oh, Benesse aussi. Nickel, rédactrice d'articles indépendants. Trop bien. Donc du coup, elle a eu une nature morte avec une pomme et proposé une idée d'histoire. Trop bien. Oh, punaise, elle a 3 jours de repos maintenant. Trop bien. Ah, salut Antoine. Ah bah oui, forcément, les filles arrivent, donc Antoine, il se barre. Comme d'hab, hein, voilà. Lui, il vient tous les jours chez nous. Mais ah, puis elle est concentrée, Daphné. Ça, c'est très bien. Ça, c'est nickel. Après, il nous reste Akko. Qu'est-ce qui va pas, Akko? Bah, Akko, ça va pas du tout. Akko a faim. Akko a faim. Combien il reste à manger? Est-ce qu'on peut pas se faire un petit repas de Valkyrie en mode tout le monde mange? Non, il n'y a pas. Eh ben, Ness ou Akko? Non, Akko. On va faire Akko pour une fois. Parce qu'il me semble que c'est souvent Ness que je mets au fourneau. Donc, on va mettre Akko. On va faire... Tiens, fais des... Ah non! Non, des chips, c'est pas bon. Quoi que si, allez, chips! C'est un repas de fête. Voilà. Les filles sont promues et tout. Donc, c'est la fête. Ness, qu'est-ce que tu as besoin? Bah tiens, on va te faire ton petit rituel de toilette. Donc, un petit pipi et un bain. Voilà, le temps qu'Akko fasse à manger. Comme ça, Akko, elle le fera après manger. Pareil, elle a besoin de divertissement, donc elle ira jouer. Sur le PC, je pense, ça me paraît pas mal. Pendant ce temps, les filles, bah voilà, elles font leur petit bout de chemin. Elles, c'est pareil, elles auront besoin d'une bonne toilette et tout ça, tout ça. Mais j'aurais bien aimé qu'elles terminent leur projet, mais... Alors, Yui, il lui reste un quart et Daphné... Alors, Yui, il lui reste un petit quart et Daphné, il reste un quart. Bon, je pense pas qu'elles vont finir à temps, mais bon, hein. À la limite, hein. Ça va rester comme ça pour le moment. Ah, à quoi elle s'est coupée, je crois. Je crois. C'est prêt, déjà? Ah non, j'ai cru. J'ai cru que c'était prêt. J'allais dire pas du tout. Ça, c'est une Akko super chef, mais non.
Enfin, cela dit, elle serait vraiment allée très 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 vite pour le coup. D'accord, alors Yu, elle a pris en compétence sociale, sachant qu'elle est en train de faire son projet normalement toute seule comme une grande. Je vois pas trop avec qui elle papotait, mais bon. C'est pas grave, on dira rien. Donc là, c'est prêt. Allez, vas-y, appelez tout le monde à table. Appelez à table. Non, mais appelle à table, Ako! Ako! Appelle à table! Ako! Allez! Voilà! Comme ça. Ah, Yu a terminé son projet, trop bien! Et Daphné aussi, mais c'est nickel! Non, mais c'est vraiment le repas de fête là! Allez, c'est parti! Voir le projet. Ah, du coup, on a regardé les projets de l'une et l'autre. Alors, ça, c'est le projet de Yu. Elle a fait un volcan, visiblement. Et Daphné, elle a fait le système solaire. Voilà. Donc, ouais, c'est bien. On a bien travaillé. Voilà, les Valkyries sont en fait. Deux promotions, deux projets boulot fini. Non, franchement, on est bien. On est très très bien. Ah, Ako, elle a fini de manger. Parfait. Eh ben, on va te faire ta toilette. N'empêche, il est déjà 22h, quoi. Faut pas traîner. Alors, hop. Un pipi. Une douche. Et du coup, ben, un dodo, en fait. Elle va pas aller jouer sur l'ordi, elle jouera demain. Parce que là, ouais, il est tard, quoi. Enfin, le temps qu'elle se douche et tout, il sera tard. C'est pareil pour les filles. Les filles, ça va être... Hop, ça, un bain. Et au dodo. En voilà une. Et la deuxième, elle est où? Là, on va faire... Pareil, un pipi et un bain. Et un dodo. Et Neige, je pense qu'elle va faire un petit bisou aux animaux, du coup, parce qu'elle, elle est bien, elle a déjà pris son bain et tout. Donc, ouais, on va faire ça. Alors, Ghost, il est où? Ah, il y a du vomi, c'est dégueu. Tiens, démarrer la routine du nettoyage. Ah! Non! J'ai bougé le panier. Bon, je crois que je l'ai remis au endroit, c'est bon. Alors, je voulais... Attendez, on peut peut-être faire... Mais, attendez, pause, il est où, Ghost? Chaque fois que je clique dessus, il se barre. J'aimerais, voilà, une petite caresse pour chien. Et, je sais pas, on peut peut-être le promener. Une petite balade. C'est un chien qui a besoin d'activité. Donc, une petite promenade. Voilà. Et ensuite, elle ira dodo. Parce que, ouais, ça fera tard quand même. Mais bon, c'était une petite soirée de fête. Hein, voilà, on fait ça bien. Et je crois qu'en fait, chacune va s'occuper de son animal avant d'aller dormir. Je crois qu'on va faire ça parce que... Ah, attendez, là j'ai Nout. Non, pause. Ils arrêtent pas de courir partout. Donc on va faire... Ah, elle est tendue. Ah non, c'est pour s'apaiser elle-même, ok. Faire connaissance et dodo. Voilà, tira après Ako. Voilà. Daphné, t'es où, là? Ok. Donc faut, toi, il faut que je te trouve Logan. Logan qui est en train de se barrer aussi. Donc pareil, une petite... un petit câlin. Et pourquoi calmer Logan? Animal malheureux. Oh bah non. Pourquoi il est malheureux? Faut pas être malheureux comme ça. Après, le dodo. Et Yu. Il faut que je lui trouve Nyx. Elle est où, Nyx? Ah, oh, elle dort. Elle est moins dure à trouver. Vas-y, réveillez Nyx. Hop, on accélère un coup. Ah bah, elle est réveillée. Nickel. Hop, on veut faire une petite caresse. Et on veut... Bon, ouais, vas-y. Jouer avec le pointeur. Et ensuite, dodo. Elles vont se coucher grave tard. Ça craint. Ah, Ako est au lit. Ça y est. Daphné. Toujours dans son bain. Au calme. Elle se met plutôt bien dans sa baignoire. La nénette. Et... Ness, elle est toujours en promenade avec Ghost. Ouais. Elle le vit plutôt bien. Ah mince, ça enregistre. Non. Je voulais pas enregistrer. Je voulais juste la suivre, moi. Au moins, Ako dort. C'est déjà pas mal. Daphné, toujours dans son bain, on a dit. Et Yu. Bah, Yu, elle est toujours dans le bain aussi. Yu, t'es censée sortir du bain, là. Elle est buggée dans le bain. Allez, Yu. Elle sort du bain. Je crois qu'elle est buggée. Je crois qu'elles sont toutes buggées.
Ok, elles ont bugué. Alors, You est sorti. Ah, ça y est, Daphné est sortie. Ouais, non, vu l'heure, on le fera faire demain. Enfin, on fera faire ouais, la prochaine fois. Parce que là, c'est pas gérable. Là, c'est pas gérable. Là, faut qu'elles aillent dormir. C'est obligé. C'est obligé. Ne jamais se coucher à 1 h du matin quand vous avez école le lendemain. Ça pique. C'est pas, ça pique et c'est pas bon. Bon, Ness, c'est un cas à part. Demain, elle bosse pas. On va dire que c'est pas grave. Voilà. Du coup, je vous laisse sur cette balade avec Ghost. Et la prochaine fois, bah, on verra du coup les résultats des projets. On pourra développer aussi un petit peu plus les compétences des filles dans leur boulot, puisqu'elles ont toutes les deux été promues. Et on verra pour s'occuper peut-être un petit peu plus des animaux. Ça peut être pas mal. Bon, allez, moi je vous laisse. Bye bye les kikis!